Ça sent bon, hein. Ça sent bon, ça. Vous savez ce que c'est, ça? C'est de la fleur séchée et c'est exactement de la lavande. C'est génial. Rassurez-vous, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je sais que vous avez un rendez-vous très important dans quelques minutes. Donc, je ne reste pas longtemps. Voilà, donc comme un air de printemps, l'odeur de la lavande. Ah, si vous pouviez sentir comme ça sent bon, même quand c'est séché, ça sent très bon. Alors, ce n'est pas pour vous parler de la lavande ni du printemps que je suis là ce soir, mais je vais faire très vite, hein, rassurez-vous. Je vous dis, je sais que vous avez un rendez-vous important qui va suivre. Pourquoi j'ai titré comme un air de printemps? Ben parce que ben j'allais dire, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est un peu ironique, évidemment. Bon, vous savez tous ce que vous êtes, ce que vous allez trouver ce soir à votre rendez-vous de 20h. Et donc, ben malheureusement, ça va arriver à grands pas. Je crois que c'est pour vendredi à minuit. Bon, j'en dis pas plus, c'est pas mon rôle de le dire. Ça, c'est pas à moi de le dire. En revanche, moi, j'aimerais vous parler de quelque chose qui n'est pas finalement, qui n'est pas aussi joyeux que ça. C'est les conséquences de tout ça. Parce que le confinement du printemps, on l'a connu. On sait ce que ça a généré, notamment chez les commerçants. On sait ce que ça a généré chez les personnes qui étaient coincées chez elles. Et moi, j'ai eu les retours. J'ai eu les retours parce que ces gens sont venus me rendre visite. Beaucoup étaient dans, comment dire, ont eu des conséquences dramatiques. Il y en a qui ont eu des dépressions. Il a fallu travailler avec certains sur des problèmes, des problèmes liés à l'angoisse, le mal-être, les conflits, des tentatives de suicide. Et oui, malheureusement, il y a eu tout ça. Des problèmes de poids également. Donc, quelque part, au printemps, tout le monde n'était pas préparé. On se posait des questions, on se disait qu'est-ce qui se passe? Seulement, le prochain, là, qui est à venir, pour minimum 4 semaines, reconductible, évidemment, bon, ben, disons que le problème, c'est que là, c'est très rapide parce que nous sommes aujourd'hui mercredi. Je pense que ça va être sous les coups de minuit, à peu près vendredi, un truc comme ça. Sauf si je me trompe, hein, évidemment, je ne suis pas devin. Mais disons que selon mes sources, c'est un petit peu ça qu'on va vous annoncer ce soir. Et en fait, je prends les devants parce que c'est important de prévenir votre entourage ou même pour vous-même, simplement de savoir que nous, les thérapeutes, nous existons toujours. C'est-à-dire que même si vous êtes coincé chez vous, eh bien, rappelez-vous qu'on peut travailler aussi bien même lorsque nous sommes à distance. C'est très important de le dire parce qu'il y a des gens qui vont rester coincés chez eux, comme ça a été le cas. Au printemps, des gens qui vont déprimer tout seuls dans leur coin. Le pire, c'est qu'ils vont allumer la télévision et ils vont, j'allais dire, être complètement bombardés de toutes ces choses négatives. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que ces gens-là se rééquilibrent. Donc, si vous en connaissez, eh bien, n'hésitez pas à leur passer ce message pour leur dire oui, il y a des possibilités, ça existe. Moi, je continue mes séances. D'ailleurs, depuis une vingtaine d'années, j'ai fait déjà des séances à distance. J'ai fait des séances à distance parce que ça existe, ça fait partie du travail, en hypnose, en coaching aussi. On peut travailler soit par téléphone, on peut travailler à travers un écran, comme là, par exemple, vous me voyez, eh bien, de la même manière, on peut travailler par un écran, derrière l'écran. Et donc, il existe vraiment des solutions. Et c'est important, de pouvoir rappeler ça aux gens qui seraient dans leur coin, en train de déprimer, en train de se dire, bon sang, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période de confinement? Voilà, donc surtout que peut-être beaucoup avaient prévu un week-end, avaient prévu de se dire, tiens, bah, ce week-end, je vais bouger, je vais faire quelque chose. Le problème, c'est que maintenant, ce n'est plus comme si on vous disait oui à partir de lundi prochain. Non, maintenant, c'est dans 2 jours, allez hop, on y va, attention, à partir de minuit, on attaque. Et c'est pas juste comme ça pour 3 jours, si vous voulez. Parce que quand on va carrément vous dire ça va durer 4 semaines comment dire, reconductible, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Voilà. Donc, c'est juste pour vous donner cette info. Je surveille l'heure, c'est bon, je suis encore dans les temps. Vous aurez le temps de voir comment dire, votre émission. Voilà. Et donc, c'était juste pour vous donner cette information, de vous dire simplement que tous ces problèmes de poids, de dépression, j'en ai eu beaucoup, hein, j'en ai eu beaucoup. Des problèmes d'insomnie aussi, hein, donc voilà, tout ça, les inquiétudes, parce que les gens sont dans l'incertitude, ils se posent des questions, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer dans un mois?
Et évidemment, ces gens qui sont dans cette incertitude, il est bon de leur passer le message. Donc, soit si c'est vous, eh bien, il est bon que vous sachiez que nous, les thérapeutes, on est là, on est toujours là, même si on est à distance, même si chacun est chez soi, on peut faire des séances, c'est tout à fait réalisable. Et si ça n'est pas pour vous directement, eh bien, faites passer le message à vos proches en leur disant, voilà, c'est possible de faire des séances et on peut arriver à des résultats rapides. On n'a pas besoin de faire 10, 20, 50 séances. Des fois, une seule séance peut suffire pour remettre les gens sur pied. Donc, c'est important de pouvoir, comment dire, réorganiser, rééquilibrer les choses. Surtout que, bon, évidemment, là, on est dans quelque chose de très sombre, quelque chose de très douloureux, de très difficile pour certaines personnes. Mais rassurez-vous, l'issue sera agréable. Alors, évidemment, on pourrait se dire, mais là, il y a erreur. Si l'issue sera agréable, en tout cas, là, c'est mal barré. Oui, seulement, c'est mal barré aujourd'hui, sauf que là, on parle de l'après. Voilà, donc il faut juste tenir bon pendant ces quelques jours, quelques semaines peut-être, et puis voir ensuite, voir ce qui va se passer. Je n'en dis pas plus parce que, évidemment, c'est pas à moi de le dire, mais c'est juste pour vous donner cette information, c'est très important, il existe des thérapeutes, il n'y a pas que moi, hein, mais je veux dire que le travail à distance est quelque chose d'aussi efficace que si vous veniez me voir en séance directement. D'ailleurs, au passage, pour les professionnels, je sais qu'il y en a ici aussi, les thérapeutes professionnels, les gens qui font de l'hypnose également, eh bien, j'ai toujours en ligne, d'ailleurs, je l'ai posté tout à l'heure, j'ai toujours l'intégrale de l'accompagnement à distance. Pour vous, les professionnels, c'est-à-dire si vous voulez savoir comment travailler à distance, si vous n'avez pas l'habitude et que vous vous dites, mince, comment je vais faire maintenant, je ne sais pas comment faire pour mes rendez-vous, eh bien, c'est possible. Il y a vraiment un programme très complet qui dure à peu près 3 heures. Et dans ces 3 heures, je vous explique pas à pas comment faire pour bien accompagner la personne qui est en demande, qui est en souffrance. Voilà, donc c'est très important. Je voulais vous passer ce message. Alors après, il y a plein d'autres solutions. Je n'en parlerai pas ici, mais éventuellement, il y a d'autres solutions qui permettent également de se rééquilibrer au niveau du corps, au niveau de l'esprit, par rapport à l'alimentation, par rapport à plein de choses. Mais ça, c'est plus quelque chose qui est à part. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez m'écrire en message privé directement. Le but ici, c'était vraiment de focaliser ce direct par rapport à cette histoire de confinement qui est censée arriver prochainement, très prochainement, et qui risque de durer un petit bout de temps. Voilà, donc bon courage à tous. On va se revoir très vite apparemment, puisque de toute façon, moi, pendant le confinement, bah, quelque part, bah, je suis là, hein, je suis disponible, tout comme vous. Et donc, bah, quelque part, organisez-vous, hein, faites en sorte de vous organiser. Je sais que ça commence à se bousculer dans les magasins, faites attention, parce qu'il y a déjà des gens qui s'affolent. Voilà, donc allez-y doucement, à votre rythme, restez serein. Je sais que c'est dur à dire, hein, restez serein, c'est un peu comme si le dentiste vous disait « détendez-vous ». C'est quelque chose qui n'est pas simple. Mais en attendant, voilà, je voulais vous passer le message. C'est encore bon, il est, ça va, on a encore quelques minutes avant l'intervention. Donc voilà, c'est tout, c'était le message que je voulais vous faire passer. Donc, j'allais dire, si vous avez besoin ou si vous connaissez des gens qui ont besoin de faire une séance, même en urgence, parce que j'en ai eu, des gens qui me disaient, il faut absolument que je fasse une séance parce que je ne vais pas du tout, je suis en train de péter les plombs, eh bien, dites-vous que c'est possible. Voilà, c'est possible et en l'espace d'une heure, vous pouvez vous libérer. C'est agréable. Et même si c'est le chaos autour de vous, puisque là, on est dans cette réalité, même si c'est le chaos autour de vous, vous pouvez vous sentir serein à l'intérieur de vous. Voilà, là, je parle vraiment à tout niveau, en fait. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous passer le message. Alors, je vous laisse soin de découvrir par vous-même. J'ai devancé un peu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, découvrez un petit peu ce qui va se passer. Et puis voilà, et puis ben, on se retrouvera certainement dans le week-end. On aura le temps maintenant. Voilà, et bien je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, vous me donnerez des nouvelles en fonction, n'hésitez pas. Je vais mettre mes coordonnées si toutefois vous voulez me contacter pour une séance. N'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Bonne soirée à tous et à bientôt.